Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Capito? Compris. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Sir Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Sir Ezio. Je me trompe? Mon oncle, cet architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il m'en faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des échoppes. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Sir Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Bon voyage! Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire.
Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Si tu veux être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Soigner tous les malades. Ezio, tu es toujours en vie? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces 2 dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Tu en as trouvé une autre. Très intéressante. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà. Mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo ! Je ne pourrais pas marcher comme tout le monde ? Tout
tenir et vous vous sentirez revigoré. J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, essaie-le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée ? La Volpe. Le renard ? Chut ! Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard ? Eh bien, près du Mercato. Où vivent les voleurs? Sois prudent, mon ami.